Attention à l'effet domino, après Mario Mandzukic, c'est au tour de Daniel Subasic, vice-champion du monde avec la Croatie, d'annoncer sa retraite internationale à l'âge de 33 ans. Le temps est venu après 10 ans dans les rangs de la sélection de dire au revoir au maillot le plus cher, a écrit le portier aux 44 sélections, dans une lettre ouverte diffusée par la fédération, HNS. Croatie, à 32 ans, Mario Mandzukic a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale https://bto/bto5cours20minutessport.twitter.com/qt5tk24/20minutessport/20minutessport/august15/2018. J'ai pris ma décision bien avant le mondial car mon rêve était de mettre un terme à ma carrière au sein de la sélection lors d'un championnat du monde. Celui en Russie a été la page la plus émotionnelle de ma carrière, merci à tous, a ajouté le gardien de Monaco, avant Subasic, l'attaquant Mario Mandzukic et le défenseur Vedran Korluka, tous deux vice-champions du monde, avaient eux aussi annoncé leur retraite internationale.